en faveur des Namurois. Le capitaine Daniel Calvo pour le donner. C'est repoussé. Rendorf l'a volé. Le gardien qui s'en perd. Haché. Rendorf. Tour de Wertz. Rendorf qui récupère quand même ce ballon. Qui s'est écroulé comme un penalty. Rendorf face à Dylan Swinnen. Rendorf en force en plein milieu pour réduire la marque 3-1. Side chat. Running inside. Gets that through for Rendorf. Surely 1-1. Rendorf it is! 1-0! Relief for Sutton United. Rendorf for substitute driving to strike the game on in the second half. Has leveled the scores off. Le ballon revient un petit peu chanceusement à Rendorf pour le deuxième tir impeccable de Jesse Rendorf, le franco-rwandais qui se souvient. Bon, encore. Trouve Toussaint, bien joué. Il y a un petit peu d'espace en retrait. Il y a Rendorf notamment et le but est validé, pas question de hors-jeu. Doublé pour Jesse Rendorf, ça paraît facile. Il faut un changement d'aile impeccable, très précis, Brutzez. Contrôle est bon aussi, Brutzez techniquement vient nous faire quelque chose, je sens très bon. La tête de Rendorf qui a gagné son duel avec Alagueye qui est la claquette de Manori Delferrière. Gobelet. Il est pas mal donné.
termine sur la tête de Mokhtar Toumi. Et Reindorf en vitesse qui va lancer Johan Dufour. Le voici Dufour, il faut changer complètement parce qu'il y a tout ça de l'autre côté. Il faut lui mettre, le voici, c'est Reindorf qui s'empare du ballon pour ouvrir le score. 1-0 et ça partait d'un coup franc luxembourgeois. Voilà peut-être le plus difficile qui est fait pour Namur à la 44e minute de jeu. Jesse Reindorf pour son troisième but de la saison. Il est arrivé en janvier ici à Namur et qui débloque une situation bien périlleuse. Mieux une victoire. Mon premier match à Namur, j'ai marqué, je peux rien demander de mieux. Voilà. La première semaine d'entraînement, comment ça s'est passé? On sait que tu es arrivé d'Angleterre en début de semaine. C'était un peu difficile physiquement et tout, mais bon, ça allait au final, et voilà. Et on sent que tes coéquipiers t'ont vraiment mis en avant, ils te servaient, t'as eu pas mal de ballons. Oui, en fait ils m'ont directement mis à l'aise dans l'équipe, donc ça s'est ressenti aujourd'hui. T'as un objectif personnel dans cette deuxième partie de saison, en termes de but, en termes de temps de jeu, l'occasion de temps, contrer, j'aimerais bien jouer le plus de matchs possible, parce qu'il y a de la concurrence aussi, il y a des bons joueurs comme Johan Dufour, etc. J'en passe, c'est de marquer le plus de buts possible et jouer le plus de matchs possible.